Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Rafal. Je suis membre de la Task Force Côte-Bretonne et je vous invite à nous rejoindre. Nous sommes couramment à 42 joueurs et nous cherchons des joueurs actifs qui sont prêts à participer à toutes les opérations et récolter beaucoup de renseignements pour la Task Force. Notre boss, c'est Max le boss, comme vous voyez ici, numéro 42, donc level 42. Et nous avons aussi de très bons joueurs. Plage vient de nous rejoindre. On a Izzy, Matteo, qui sont tous les deux très grands joueurs, avec Frolon. Voilà, et il y en a encore plein. Donc rejoignez-nous, c'est la bonne humeur. Et ça tape bien, donc on s'amuse bien. Voilà, alors ça c'est pour les présentations. Maintenant, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer Docteur Terreur niveau 7, que nous allons essayer de passer. Alors, regardons un petit peu. Alors, il se cache où? Voilà. On va faire une petite reconnaissance pour voir ce qu'il va nous falloir faire. Oh, bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est près du QG, là, sur la gauche, il y a 4 super canons, donc cela, il va falloir que je m'en occupe avant que je m'approche trop près. Autrement, même avec mes carboniseurs qui sont boostés, je vais avoir du mal, donc on va s'occuper de ça. Sinon, devant, je pense que je peux m'occuper de celui-là avec un freeze, donc on va y aller, on va tenter. Hein. Allez, à l'attaque. Alors, c'est parti. Alors, je vais m'occuper des deux, là, ici, dans un petit coup de barrage. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas trop tirer, parce que il me faut 96 points d'énergie pour faire mon débarquement. Donc c'est pire que le débarquement de 1944. Alors allons-y, c'est parti. Alors, donc ce qu'on va faire ici, donc c'est neutraliser ce canon avant qu'il nous fasse du mal. Aussi, je veux focaliser mes troupes sur le côté là-bas pour pas que je me fasse trop esquinter. On va essayer de déblayer un petit peu ici. Voilà, donc ça va le faire. Voilà, donc celui-là déjà il est nettoyé. Maintenant il faut que je m'occupe de cette menace ici. Alors on en est où? Ok, on va rester dans le coin là si on peut. Tant qu'à faire. Voilà, on va mettre ça pour partager tout ça. Voilà, ok, c'est bon de ce côté-là. Bon, maintenant, ce serait bien d'avoir... Ah, ça commence à claquer. Alors, voilà. Et déjà, ici, ça va me faire du bien. J'apporte le QG. Voilà. On y va. Voir si les deux, là, ça va le faire. C'est parfait. Ok, bon. Oh là, ça claque pas mal quand même. Hein. Alors, on continue. On va voir si c'est assez. Ça risque d'être un peu juste là. Je vais mettre un petit coup ici. Bon, c'est quand même bourrin comme attaque, mais on n'a pas vraiment le choix. Quand on regarde le niveau de niveau 60, il faut vraiment y aller bourrin parce qu'il y a beaucoup trop de canons partout. Alors on y va, donc ça va être juste. Allez, un effort les gars. Voilà, ça va le faire. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Regardons ensemble si ça valait le coup. Donc un gros gem. 338, 213, 142, 71, on a quand même perdu 5 carbos, donc ça va coûter cher. 300 000 pièces, je pense, autour de ça. Voilà, bon, c'est pas mal. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu pour une première vidéo. Et donc, inscrivez-vous, et je vous promets de vous montrer de belles attaques. Moi, mon style préféré, c'est donc d'attendre un petit peu que ma carte se... libère un petit peu, après je booste et je m'amuse pendant 1h30 à tout nettoyer et en général j'arrive à nettoyer une vingtaine de bases sans perte, donc ça c'est vraiment le pur blast, donc voilà, je vous remercie encore et à bientôt, salut, c'est Rafal, ciao.